Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire une cuisine rapide et pas chère. Vous prenez des champignons, des champignons frais. Moi c'était des champignons frais qui étaient au congélateur. Et là je les ai laissés décongeler. Bien sûr je les lavais avant et tout. Donc. Vous inquiétez pas. Pour ça je vais prendre un oignon que je vais émincer. Un oignon de l'ail. Moi là je ne l'émince pas parce que j'ai plein d'ail surgelé déjà coupé dans mon congélateur, à part que je congèle pas l'oignon, c'est tout ce que je congèle pas. Bon, je lave ça et je reviens vers vous. Voilà, je coupe comme ça. On va vous couper comme ça normalement. On va faire une omelette aux champignons. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas. Mais c'est juste pour vous montrer quoi, pour les gens qui connaissaient pas. Voilà, vous coupez vos oignons. Voilà. Moi, je coupe bien mes oignons là. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire des œufs. Vous savez pourquoi les œufs sont déjà posés sur mon assiette là? Parce que j'avais cuit deux œufs durs et je ne trouvais pas où ils étaient. Alors j'étais obligée de casser mes œufs pour voir où sont mes œufs durs. Et je les ai enfin trouvés. Je les ai trouvés. J'en ai cassé 4 pour les trouver. Donc, je me suis dit, vu que j'ai des œufs, hein, on ne va pas faire du gaspillage. Je vais faire une recette en même temps. Et j'ai pensé à faire la recette de nos maîtres champignons. Voilà comment m'est venue l'idée. Sinon, ce n'est pas ce que j'allais faire. Je ne vais pas vous mentir. Je n'allais pas faire ça. Comme je vous ai dit, moi, les idées, hein, ils viennent comme ça. C'est pas calculé. Hein. Bon, allez, ma poêle. Je suis en train de chercher ma poêle. Je vais mettre dans... Allez, là. Rien n'est préparé, rien n'est préparé. C'est comme ça. Même du scotch, qu'est-ce qu'il fait là, scotch? Bon, je mets un peu d'huile, l'huile d'olive ou d'huile normale, hein, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. J'y mets, mettre un peu de lumière. Je sais pas si ça change quelque chose, mais je pense. Voilà, on fait frire bien l'oignon. Bien. Voilà. Bon, allez, je laisse cuire. Mais attends, je vais rajouter juste un petit peu. Allez, et je laisse cuire mes oignons. Mes champignons. Je coupe mes champignons comme ça, moi, en petit dé. Hein. J'y coupe n'importe comment, mais pas trop gros non plus. Hein, mais il faut qu'on les voit, parce que ça sera une omelette aux champignons. Donc, voilà quoi. Coupe bien ce couteau. Hein. Je sais pas si c'est un couteau que j'ai eu ça à Leclerc, je pense. Bon, je vais pas vous ennuyer avec ma vie, là, deux balles. Je vais couper ça et je reviens vers vous. On laisse bien cuire, vous allez chercher de l'ail. Ça va fondre. Hein. Du sel. Du poivre. Du piment doux. Et du curcuma. On mélange et on laisse bien cuire tout ça tranquillement. Hein, parce que... Voilà. Je vais mettre du persil. Non, moi, je vais mettre du persil comme ça. Voilà. Là, je laisse 10 minutes cuire tout ça hein, tranquillement. Moi, je vais préparer mes œufs. Bon, mes œufs. Mettre un tout petit peu de sel puisque j'en ai déjà mis du poivre et c'est tout.
Ah ouais, je vais mettre une pointe de lait. Voilà, une pointe. Une pointe. Voilà. Juste à attendre que mes champignons, mes oignons, mon ail cuit un petit peu. Et voilà. Et ensuite, nous avons notre omelette. Vite fait, rapide. Hein. Pas prise de tête. Hein. Bon, les petits loups, 10 minutes après, à peu près. J'ai pas une montre en main. Je vais baisser un peu par contre. Et je vais mettre. Attendez. Attendez. Voilà. Et on va laisser cuire comme ça à feu doux, tranquillos. Alors là, c'est une belle omelette bien blindée. Franchement, elle est blindée de chez blindée. J'ai mis à feu doux et je laisse cuire tranquillement. Et voilà. Et là, nous avons une jolie. On va manger ça avec du pain. Un délice. Voilà, on a juste à laisser. Là, il fait beau, là. Franchement, cette semaine, il va faire super beau. Contente, ça fait plaisir. Moi, quand il fait beau, mon moral, il va bien. Quand il fait pas beau, mon moral, il va pas bien. Je sais pas pour vous, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc, ouais, ça cuit, ça. On touche pas et on laisse cuire. Après cette omelette, je pense que je vais ranger mes placards. Je dis tout le temps que je vais ranger mes placards, mais après, je sais pas. Je pense à autre chose. Toujours pareil. Je crois que je vais motiver, je vais ranger les placards. Il faut que je lave mes placards, je fais mes placards, il faut que je range, Je sais pas. Je sais pas si je vais le faire. Non, je vais le faire. Après cette omelette, normalement, je fais. Hein. Allez, vous allez m'encourager. Je vais faire mes placards. Bon, on touche pas à l'omelette. Bon, là, on n'est pas avec les placards, on est avec l'omelette. Moi, je vais laver mon lave-vaisselle. Je vais laver. Je vais vider mon lave-vaisselle. Je vais laver mon plan de travail. Je vais nettoyer un peu la cuisine parce que. Voilà, c'est tout. J'attends juste que ça se termine ça. Je vous montre ça. Après, je pars à mes occupations. J'ai envie de rester avec vous parce que j'ai pas envie de faire le ménage. Je vais pas vous mentir. Qui a envie de faire le ménage, franchement? Qui a envie de faire le ménage? Allez, ça cuit ça ou pas encore, non? Donc voilà, mon omelette est cuite, comme vous voyez. Voilà, il y a juste à la... Bon, elle se décolle facilement, hein, voilà, vous voyez. On va la retourner. Et voilà. Et une jolie omelette tranquille. Oh, champignon. Pas belle la vie. Pas belle, pas belle. Et oui, elle est belle la vie. Allez, on retourne tout ça. Hop. Bon. Donc voilà, les petits loups. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les petits loups. Bye bye. Bye bye.